permets première parenthèse là. Et c'est on André quand même new look. Et longtemps et l'autre là parler de dialogue ou qu'on dit c'est perte de temps. Est-ce que c'est perte de temps qu'on gagne ba ça yo. Mais aujourd'hui a qui ça qu'expliquer que André vinn quoi dans dialogue en pile qu'on y a. Et belle question. Il faut que nous mettions tout bas dans le contexte. Depuis que tu parlais de dialogue avec Jovenel Moïse, moi t'ai toujours dit c'est perte de temps. Dialogue avec Jovenel Moïse. Mais mes amis, on est d'accord que 7 juillet 2021, yo assassiné Jovenel Moïse mourit et Jovenel Moïse pas président. Ça veut dire ou bien doit d'accord, ou bien doit pas d'accord, mais fort d'accord que le contexte politique l'a changé. Et c'est ça que fait aujourd'hui à tout groupe politique qui était en face Jovenel Moïse, quitte ses familles Lavalas, quitte ses petites Dessalines, tout l'autre, yo tout sous table dialogue là, je dis, ya, parce que tout le monde comprend mon bagage qui changé. Mais pour qui ça, pour yon te vle, pour André Michel, pas comprendre que mon bagage qui changé? N'est-ce qu'à poser question ça tout. Alors tout compte fait. Effectivement, il y a monde qui estimait André Michel new look, de changer de posture, de changer de tempérament, de changer de style, de manière, parce qu'il me fait plusieurs interviews et dans le dernier moment. Oui, on est capable de dire ça. Même quoi je dis, fondamentalement, population a besoin de sérénité, population a besoin de calme et tout le monde son seul discussion, son seul parole, il a parlé, son seul discours, il n'y a. Et moi-même, moi, crois que c'est ma conviction la plus profonde. Je dis à pas une autre solution, c'est le dialogue. Évidemment. Et il y a des gens qui reprochent nous parce que nous participons dans le gouvernement. Mais pour nous, c'est là, et c'est ça. Quand vous faites un choix politique, le bon style, et le cas bon pour vous, le cas pas bon, qui a payé un prix dans le premier temps. Même les gens qui reprochent nous parce que nous participons dans le gouvernement avec le sénateur Ricard, les gens qui sont dans le gouvernement. Hein? Sauf que bonne différence, nous avons choisi la transparence, nous signons un accord très clair, nous voyons Lucas, qui c'est sénateur, ancien sénateur sud-est, dirigeant SDP dans le gouvernement, mais l'autre monde qui a critiqué nous, il y a un gouvernement battable. Mais c'est extraordinaire. Alors, on ne peut pas donner de prime à l'hypocrisie. Comment un gouvernement battable? Parce que nous connaissons un cabinet clairement identifié, avec représentants chaque secteur. Comment gouvernement battable? Je ne pas trop comprendre. Non, Babchou. Tout le monde pas connaît, tout le monde qui est dans le gouvernement, qui secteur est représenté. Il y a des groupes qui là-dedans, qui négocient, qui est dans le gouvernement. Ils n'ont jamais assumé ça. Ils ont dit qu'ils la donne. Nous sommes un rare groupe qui accepte et qui dit publiquement au nom de la transparence que nous participons au gouvernement. Au nom de la transparence, nous t'aimons, mais qu'on, qui n'est qu'à faire jouer mettre dame ça, qui secteur, qui parti. Parce que là, nous connaissons fusion, nous connaissons SDP, nous connaissons unité, etc. Et... Ah, mais ça fait nous pourquoi qu'on monde même. En allez, non, qui aide me citer, André. Alors, bon vérité. Mm-hmm. On dit à moi qu'on posture de membre commission de dialogue. Et si mon posture de membre commission de dialogue, ça veut dire obligé conciliant ou pas l'agresser. Pas dénoncer moun, pas agresser moun parce que moun m'a dénoncé, m'a invité au hôpital, il y a une rencontre à la commission, m'a invité au demain, il y a une rencontre à la commission. Ça veut dire que m'a pas dénoncer moun dans l'intersection jodi a. Mais toute ma population, les gars intelligence li. On comprend? Dès qu'on nèg a parlé, on femme a parlé, y a bien ta ouais côté au campé. On comprend? Alors Tout compte fait, et nous avons une expérience qui est nouvelle, et nous pourrons capables de conclure son expérience positive ou bien son expérience négative, parce que la bataille a continué. Je dis là, seule priorité population, c'est la sécurité. Tout autant pour qu'on gagne et solution, pour qu'on gagne résultat dans le domaine de sécurité, pour qu'on capable de gagner un monde qui satisfait. C'est moi espérer avec la police, et n'a fini pas jouer le même moi nous mettez sécurité dans agenda discussion yo gade moun ki reprochent pour ça yo dit bon écoute insécurité c'est responsabilité pouvoir en place là qui gagne négociation qui pas gagne c'est responsabilité pour yo baili et effectivement so diam ben c'est le bon sens
et moi-même moi toujours dire bon sans que m'bral faire attaque ciblée. Tout le monde connaît gang la yo, kidnapping qu'a fait là et insécurité d'a vivre là, tout le monde connaît qui groupe qui mettel. C'est monde qui t'a dirigé pays là pendant les 10 dernières années qui mettel. Même d'accord tout, il appartient à l'État via la police, via le gouvernement de mettre de l'ordre. Ça veut dire c'est responsabilité gouvernement pour des solutions. Bon, moi entendez un responsable de la police qui t'a annoncé qui a fait des commandes, il t'a dit ça dans le sud, de commander matériel à l'étranger qui a venu et si tout matériel est venu, il va le débloquer Matissan, il va et libérer quoi des bouquets. Les populations c'est ça l'attend. Donc André, je voulais parce que nous avons temps, je voulais nous rentrer dans négociation ouvrir, mais on va où sorte dit là, je voulais même si c'est dernière intervention qui pendant ça qui était programmé puisque me t'ai dit processus dialogue là, où sorte dit que garder monde tout le monde on est clairement insécurité n'a vive là qui équipe qui potel c'est équipe qui saute fait 10 ans à diriger etc. Mais sous point ça moi ouais en pile critique vis-à-vis de nous qui dit que secteur ça PHTK mais les signes là en septembre dans ensemble avec qui explique me dynamique là oui mais c'est parce que justement nous on est en situation exceptionnelle. Pas gain l'autre solution que le dialogue. Je dis à c'est tout le monde qui parle à tout le monde. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, pas gain l'autre solution. C'est tout le monde qui parle avec tout le monde, je dis à. Vous pas comprendre ça? C'est-à-dire que tout groupe politique a parlé entre eux malgré au gain des désaccords. Deux semaines de ça, nous avons gardé des amis, moi, frère, moi, Maurice Jean-Charles, une belle rencontre avec Liné Balthazar. Mais deux ans de ça, rencontre ça, pas possible. Parce que. Et bien, ça, Mbasso, vous parlez, non? Mbasso, vous parlez, si t'es dans le nec qui donne un gouvernement, pas vous dit ça, l'homme de. Non. Je veux être positif aujourd'hui, parce que je suis commissaire, dans le dialogue, dans la concertation, vous posture, vous m'en. En fait, l'autre bagaille m'a fait un autre moment. C'est dit, m'a dit, où, comment je dis, là, dialogue-là, c'est effectivement. Et la seule voix, parce que tout le monde en discussion, tout le monde a parlé avec tout le monde, c'est ça la vérité. Mais ça, on va comprendre. Pourquoi ça, tout le monde a parlé avec tout le monde en dialogue, et puis on parle nous-mêmes, nous en dialogue. D'accord, alors André, sous question dialogue là, dis-nous, c'est qui secteur nous rencontré déjà? Bon, et ça, on est capable de dire, effectivement, 24 juin 2021. Et 24 juin 2022, bon, commission de dialogue qui représentait à quoi en septembre. Nous réunis rapidement, nous fait thème de référence, nous baillons tête nos missions. Et nous rencontrer un pile groupe. Et discussion a continué. Et nous rencontrer des groupes qui signent à quoi en septembre. Non, déjà, nous rencontrer des groupes qui pas signent à quoi en septembre. Nous rencontrer un groupe d'anciens parlementaires, d'anciens députés, c'est 72 juillet. Nous rencontrer groupe société civile. Nous bon agenda de discussion côté nous allons rencontrer et des monde dans secteur religieux, d'autres secteurs politiques, nous rencontrer monde qui dans secteur privé, de gros patrons dans secteur privé, nous fait 3 séances de discussion avec groupe Montana, d'accord, et nous rencontrer en pile en pile. Mais ça qui est important, c'est que nous-mêmes nous gagnons deux compréhensions fondamentales de ce dialogue-là. Première compréhension, nous, et ça mettez-nous en désaccord avec nos amis de Montana Pen, c'est que pour nous, le dialogue doit être multilatéral et multisectoriel, et faut que nous commençons discussion avec tout notre protagoniste qui est dans la crise-là. C'est ça nous comprendre. Nos amis de Montana, ils pensaient que faut nous commencer nous deux, ils ont même avec nous, après nous aller vers l'autre. Ça, nous pas d'accord. Parce que pour nous, nous connaissons comment acteurs politiques sont suspicieux, comment acteurs politiques sont sensibles. Si nous jouons une entente avec Montana, et puis après nous aller vers l'autre acteur, ils n'ont pas pu trouver la donne, ils ont projeté entente nous jouons, ça ne va pas permettre. Alors, André, il y a un droit, inquiétude, c'est que. Et nous minimiser avait dit non c'est pas une question de non qui t'aime dire yo très représentatif dans ce sens que yo grand pile secteur
secteur qui en dedans yo, et peut-être que gagne des rencontres pour faire ça avec un secteur, mais yo même yo multisectoriel. Mm-hmm. Peut-être non, que non. Hein, j'aime là écoutez. Mm-hmm. Pays a éclaté, pays a divisé. Je dis à tout groupe yo multisectoriel, yo grand pire secteur dedans yo. Bon, on va prendre un exemple. Sous pour un groupe politique tant que famille Lavalas qui était dans accord Mondana, qui quittait, qui clairement dans route parle. Est-ce que vous pensez capable non dialogue pour commencer un groupe pour pas commencer à la valance et bon ben notre groupe encore le secteur privé des affaires jodia qui sont acteurs importants dans la situation pour pas commencer un groupe pour quitter le derrière pour nous pas pour un carnaval parce que nous pas dans démagogie nous croyons que faut nous capable identifier les vrais acteurs les vrais protagonistes et pour nous commencer discussion avec tout le monde et c'est ça que fait parallèlement à la discussion avec nos amis de Montana dans pile sympathie personnelle pour eux d'ailleurs toujours dit dans pile monde qui dans Montana moi plus proche que en pile monde qui signe en septembre c'est pour vous dire que pas un problème et sur point ça mais nous croyons que faut identifier acteurs et essayer commencer dialogue là avec tout le monde ça permet que nous aller plus bien. Parce que l'autre acteur pourra l'estimer nous minimiser. Alors c'est ça, oui. Ouais, ou dit Montana qu'a pensé nous minimiser. Ce n'est pas ça. On ne veut minimiser personne. Parce que pour nous, il faut commencer la discussion avec les acteurs clés et jusqu'à ce que nous voyons une solution. Ça, c'est un bail qui est fondamental. Deuxième point de désaccord, nous gagnons, c'est sous agenda. Mais pour nous, discussion faut qu'il fait essentiellement sur les problèmes de la population. Problème sécurité, problème kidnapping, apaisement social, problème constitution. Je dis, si vous n'avez pas une constitution, vous allez faire une élection. Vous allez avoir trois sénateurs, une pour 2 ans, une pour 4 ans, une pour 6 ans. Avec nos papes sortis dans leur bain où il est là. Nous disons, si vous faites une élection présidentielle, pour le monde qui te dit, mandat Jovenel fini 7 février 2021. Comment ça veut dire? Avec depuis 7 février 2021, mon président qui vient en parler. Yeah. Même s'il peut comprendre en fonction. Mm-hmm. Pour le monde qui te dit 2022, ça veut dire depuis 2022, 7 février, mon président qui n'a pas l'air, même s'il peut comprendre en fonction. Ça veut dire souvent les prochaines élections présidentielles. C'est ça lié, c'est ça lié. Vous ne pas de compte qui le mandat l'a fini. Mais son question essentielle qui doit être débattue dans un dialogue. Maintenant, élection. Pogo, est-ce que sous Jovenel, ça nous te dit, nous pas de problème changer constitution, mais c'est seulement moun kap et messager ou pas bon que nous parlons chita par là, ou bien nous te dit que constitution ça a été bon dans SDP. Non, pour l'histoire et pour la vérité, depuis 2018, nous proposons une nouvelle constitution. Mm-hmm. Regardez dans tout document nous écrit depuis 2018. 2019, dans Miambalé, dans la cour Miambalé, nous reproposer encore une nouvelle constitution. Jovenel vient rapatrier que cette nouvelle constitution pour le faire j'en parle. Mais nous t'ai toujours dit il faut une nouvelle constitution. C'est pas question de Jovenel. Jovenel vient faire des ordres là dans limite 5 ou 7 mon bras pour une constitution pour tout le monde. Mais nous pensons et nous croyons comme démocrates, un, nous besoin une nouvelle constitution, des modifications pour nous porter, même si nous pas une nouvelle constitution, mais qu'on signe une question d'un mandat, harmoniser le temps politique, le temps électoral, etc. Le temps constitutionnel, le temps électoral, faut nous faire. Et nous croyons faut nous faire avec tout le monde, faut nous consensus sur lui. Mais nous pas un problème sur question ça. Et nous dit faut une gouvernance consensuelle. Maintenant, les amis de Montana, ils ont même dit, par exemple, et font question de bicéphale. Bon, moi, je ne vais pas discuter sur bicéphale, pas bicéphale. Mais ça, ça me connaît, Jean-Mona. Quoi me souvler, pas quoi me sou parler. Moi, je dis en Haïti, pas aucun mécanisme pour choisir un président, et pas aucun genre pour mettre un président. Qui est-ce que vous mettez? Bon, mais moi, partisan Aristide, je dis qu'on s'en fait mettre Aristide. Ou mettre Aristide, ou mettre Fridjan, ou mettre Joseph Lambert, ou mettre Mécène. Qui est-ce que mettez? Ah, Mécène Touna. Mais depuis qu'il y a une discussion sur le président, c'est clair là, sur table là. Ou bien, n'a mettez Patrick Moussignac. Qui est-ce que mettez Mbappé? Non, parce que m'a dit au bagaille. Comment ça m'explique? De pour rentrer dans le débat sur choisir président en Haïti, pas de gens pour sortir. Ça veut dire, si je comprends là, donc c'est rété avec le Premier ministre. Et pas ça me dit. Pas dit ça. Et pas ça me dit. Même dire, discussion sous affaire choisi président en Haïti aujourd'hui, sont discussions perd du temps. Parce que pas de mécanisme pour choisir, pas de gens pour choisir, pas aucun gens pour dire, mais qu'elle soit prêt à pas exister. Ou pas de gens capables de mettre acteurs politiques non sales. Même si vous travaillez 365 jours,
pour sortir avec choix président. Non, dialogue là, est-ce que nous circonscrire, nous limiter, nous déjà gain des prérequis qui dit que c'est là nous y est nous pas dans tel bagage parce que j'en dis. Non, laisse-moi te dire. Mm-hmm. Nous sommes des démocrates, nous sommes ouverts. On peut discuter de tout, on peut discuter de rien. On est capable de discuter de toute bagaille. On va commencer par le bicéphale, sous Tijoudia, jusqu'à 2054. Si vous voulez. Mais moi, je dis, pas de mécanisme pour choisir le président. Et je vais comment pour avoir un consensus pour mettre. C'est position pas nous dans la commission. Mais de toute façon, si c'est pour mettre dans l'agenda pour discuter, nous pas de problème. Mais nous croyons aujourd'hui. Pour nous aller dans l'élection. Mais qui sont vrais, Mounio Fèvre? Vinchita parler de l'élection, constitution. Avec Ariel ou bien? Parce que mon petit j'en perdu là. Non. De toute façon. Je ne vais pas me dire avec Ariel ou sans Ariel. Si Ariel qui là, tout le monde savait qu'il a discuté. Et pas ça, ma petite. Mais même ça, me pensait que, pour nous avoir une gouvernance consensuelle. Pour nous avoir une gouvernance qui rassurait tout le monde. Et c'est position commission. Une gouvernance qui mettait tout le monde à l'aise, tout le monde confortable. Pour que l'élection qui pourrait le faire, elle ne pas pencher en bord. Et moi, je pense que c'est la chose la plus simple. Parce que dès pour rentrer dans la cause de choisir président, il y a 200 candidats sous table là et pas bien façon pour choisir. C'est la vérité. Alors, de toute façon, nous-mêmes, nous très confiants dans le processus de dialogue là. Et discussion, on va continuer avec tout le groupe, on va continuer à discuter avec Zamin, on va Montana Pen, on va continuer à rencontrer. Mais André, quelle chance qui gagne pour le par un autre dialogue encore, un dialogue en plus. Moi, ça sont belles questions. Et moi, je ne vais pas dire tout le monde nous rencontrer, bon, éventail. Même quoi, majorité de monde nous rencontrer, d'accord, pour nous aller dans un dialogue multilatéral, multisectoriel, pour ne pas quitter personne de ce côté. Nous d'accord, pour nous fonds commun des patriotes contre l'insécurité et le kidnapping, pour que toute population en campé derrière la police dans la bataille contre l'insécurité et contre le kidnapping. Yo quoi faut nous résoudre le problème d'apaisement social là, parce que moun yo en situation extrêmement difficile, et c'est ça que fait nous te dit, nan moment ça là, pas moment pour moun augmenter prix produits pétroliers, prix gaz dans le pays, là, parce que moment trop dur population. Hein. Yo quoi faut faire modification dans la question constitution pour éviter de tomber dans une crise après l'élection. Yo quoi, faut que nous ayons des structures transparentes, on sait un peu qui rassure tout le monde pour aller à l'élection, et tout le monde quoi tout. Faut que nous une gouvernance consensuelle. Faut nous chita pour nous dire, mais comment nous allons gouverner le pays, nous allons diriger le pays dans la période transition, dans la période intérimaire. C'est-à-dire que moi j'ai une conviction. Je commence à sentir, bon, on qui ça la pied. Bon, on qui est ce qui est là-dedans, qui est ce qui n'est pas là-dedans. Je souhaite tout le monde là-dedans. D'acheter tout le monde, tout acteur, rentrer dans la discussion pour nous sortir un bagarre avec eux. Tout, même presque sûr, dans la fin de discussion, on a fini avec un consensus. Et consensus, on a besoin de la plus large passé consensus qui existait déjà. Nous avons une situation très difficile parce que le pays a une crise exceptionnelle. En plus, le monde dit, pour ce massacre la Saline, le directeur Michel a pas parlé de Petro-Caribe encore. Oui, mais Petro-Caribe, qui s'allie? Son affaire de justice, la justice crasée, coup de cassation crasée, CSPJ crasée, qui est-ce qu'il va faire pour ça? Massacre la Saline, nous ne parlons pas de ça encore. Massacre la Saline, son affaire de justice, la justice crasée, coup de cassation crasée, CSPJ crasée, qui est-ce qu'il va faire pour ça, massacre la Saline? Ça veut dire nous avons une crise exceptionnelle, crise de la gounègue. C'est seulement dialogue qui permet de nous sortir. Et je dis, moi, bien content de constater, moi, bien content, ouais. Tout le monde qui tape jour, matin, midi, soir, qui tape attaqué, je dis à eux, tout le monde tape dialogue là. Et c'est ma fierté, et je suis fier. Et bien content quelque part, après tout tape ça, je prends matin, midi, soir, à attaquer moi, comme si je me fais toute qualité de bagaille, je me connais un ministre, je suis président, je suis géré l'agent de l'État. Et c'est moi à attaquer matin, midi, soir. Je dis à moi content, et ma pouvoir dire encore. Tout le monde qui tape attaqué, ils sous tape dialogue. Parce que le dialogue, qui, la seule voix, qui, t'as qui, tout qui deadline, non, bah, et tête, non, parce que nous pas cacher, t'as pas aller. Ouais, d'accord avec vous. Et moi, je crois que le pays a pas qu'à attendre encore. Problème sécurité, problème kidnapping, pas qu'à attendre. Problème AP